Nous sommes 61 rue d'Hauteville, escalier B, deuxième étage gauche, immeuble 1900 avec digicode, donc bâtiment court et l'appartement va donner sur cour et sur la rue de Paradis. Donc deuxième étage avec belle hauteur sous plafond, voici l'entrée de l'appartement. Il a été refait entièrement à neuf en 2016 et donc voici les lieux. Donc nous avons une entrée qui va s'ouvrir directement sur la cuisine salle à manger. Une petite entrée donc avec une porte, trois points de sécurité, spot au plafond, détecteur de fumée qui a été déposé mais qui sera remis. Tout de suite, à gauche en entrant, les toilettes. Bon, il y a une étagère qui a été décrochée, je vais la faire réaccrocher par l'entrepreneur. WC, carrelage, deux petites étagères ici. Voilà pour les toilettes. Juste à côté des toilettes, nous avons le placard électrique avec donc le compteur, le PDL en cas de besoin. Voilà, tac, tableau électrique, parfait état, tout avait été refait. Voilà, tout est électrique, chauffage, eau chaude. Donc voilà le séjour salle à manger cuisine. Tout ouvert, enfin ça séjour si on considère qu'il y a deux chambres, mais sinon c'est uniquement la salle à manger, le salon étant sur la rue de Paradis, et après il reste une chambre. Donc voilà, on a une belle hauteur sous plafond, on a un bon 3,20 m avec l'espace cuisine, donc qui est là, les spots, enfin les lampes qui partent du plafond pour mettre une grande table en bois comme avait fait l'ancien locataire et des chaises autour. Et ici, on a l'emplacement four, l'emplacement... Elle avait un réfrigérateur ici, un congélateur là, un lave-vaisselle. Donc, on peut tout mettre. Le lave-linge étant prévu dans la salle de bain. Donc, voilà ce qui fait une belle pièce avec une belle hauteur sous plafond. Salle à manger, cuisine. Et si on remet tout en tech comme les étagères, ici, ça peut faire une très belle salle à manger, cuisine. La vue de cette salle à manger cuisine n'est pas forcément la plus fantastique puisqu'on a la percée de la cour, mais on est sur l'angle de l'escalier C. Donc on n'a pas une luminosité énorme. Bon, il est quand même lumineux, hein, mais voilà, c'est pas la plus belle luminosité de l'appartement. Accessible par cette cuisine, on va avoir la salle de bain. Salle de bain avec double vitrage PVC, spot au plafond, meuble vasque, belle salle de bain. Toujours carrelage, sèche-serviette, arrivée-descente lave-linge ici, l'arrivée générale d'eau et le ballon d'eau chaude. Voilà, tout est ici. VMC, tout est relié à une VMC, donc on a une ventilation mécanique qui est plutôt bien, et donc une grande baignoire. Voilà donc pour le séjour, cuisine, salle de bain. Donc les plaques restent, la haute reste, tout ce que vous voyez reste. Accessible par cette cuisine, toujours. On va avoir le salon qui est ici et qui va donner sur la rue de Paradis. Et qui donne accès également à la chambre. La chambre qui a également une entrée indépendante par la salle à manger cuisine. Qui a deux entrées en fait. Voilà, donc le salon ici, avec double vitrage sur la rue de Paradis. Un petit placard. Ici, nous n'avons pas la fibre optique, nous avons numérique à laisser faire. La fibre optique n'est pas encore dans l'appartement. Et donc, nous donnons avec double vitrage sur la rue de Paradis en face du Carrefour City. Avant, c'était un bio, je ne sais quoi, maintenant c'est devenu un Carrefour City. Un peu plus haut, vous avez un bio, c'est bon. Voilà, donc belle pièce. Les tringles et les rideaux restent dans toutes les pièces. Voilà, donc les peintures sont blanches, elles ne sont pas en parfait état, elles sont un peu ternies, il y a quelques... Voilà, là on voit qu'il y a des impacts qui ont été rebouchés, quelques fissures, mais rien d'alarmant. Elles sont en bon état d'usage, on va dire, les peintures. Et à côté, on va voir la chambre, avec des petites étagères. Bon, elle avait fait son salon ici, je crois. Étagère ici... Toujours double vitrage, radiateur électrique comme dans toutes les pièces, ces dernières générations avec thermostat incorporé. Voilà, et bien sûr, donc toujours la hauteur sous plafond, les peintures blanches mais avec quelques petites traces
des spectres de mobilier, mais rien d'énorme. Et ici, donc, le parquet, comme dans l'autre pièce, en bon état d'usage. Voilà, c'est un bel appartement avec plein de charme. Je trouve que cette pièce, quand on met une table en bois avec des chaises, on peut se faire un truc super sympa. Voilà, donc c'est une cuisine, salle à manger, salon, une chambre. Ou alors, pour de la colocation, une pièce de vie ici, où on met un canapé, une table basse, ce que l'on veut, et deux chambres. Voilà, nous sommes donc 61 rue d'Odile. Deuxième étage, bâtiment court sur la rue de Paradis.